Des dossiers de litige, le médiateur de la République en a traité des piles en 2013. 146 au total. Des conflits portant pour la plupart sur le foncier. Les réclamations portent généralement sur 3 à 5 secteurs. Vous avez le secteur économique, dans lequel il y a de nouvelles réclamations concernant essentiellement les reclassements ou bien les dettes dues. Il y a également des questions relatives à la fonction publique pour la reconstitution de carrière. Mais on a surtout de nombreuses réclamations dans le secteur du foncier. Tout citoyen se sentant lésé dans ses droits peut saisir le médiateur de la République pour obtenir réparation. Mais l'institution n'est pas une cour de justice et ne saurait se prononcer sur une décision judiciaire. Quand les gens nous saisissent d'une plainte et qu'ils s'adressent au tribunal, nous, notre action s'arrête. Ce mardi, à la cérémonie de présentation des vœux du personnel du médiateur de la République au président de l'institution, le souhait de la restructuration des services a été émis. Nous espérons que cette année verra le renforcement des capacités institutionnelles grâce aux textes tant attendus qui vous permettront enfin de structurer notre institution. La restructuration permettra de décentraliser les services de l'institution pour les rendre plus accessibles. Chaque fin d'année, le président de l'institution remet un rapport d'activité au chef de l'État dans lequel sont consignés les avis et recommandations répondant au bon sens et à l'équité pour un recentrage des rapports entre l'État et les citoyens.